Lui à 11h10 très exactement, à vrai dire, on avait tous un petit peu oublié. Il a fait bien laid sur Paris avec de la neige aujourd'hui, ce qui n'a d'ailleurs rien d'exceptionnel, nous rappelle la météo. Il paraît que c'est un jour de mars, le 2 mars 1946, qu'a été établi le record absolu d'enneigement en région parisienne. Il a neigé également en Normandie, d'où nous viennent ces images, et dans d'autres régions du pays. Alors tout de suite, Laurent Broumed, rassurez-nous, est-ce qu'il va continuer à faire mauvais en ce moment en France? Est-ce que vous voulez ma petite rose pour vous servir? Moi aussi, j'ai ma petite fleur pour montrer que l'hiver était exceptionnellement doux. Et finalement, ça contraste avec le temps d'aujourd'hui. Pourquoi ce froid? Eh bien, parce que de l'air très froid circule de la Russie jusqu'aux îles Britanniques. Et les vagues de pluie qui ont traversé la France hier, aujourd'hui, du sud vers le nord, sont venues buter contre cet air froid, donnant de la neige au nord de la Seine et de la Loire. Demain, malheureusement, le temps ne s'améliore guère. Sur la moitié nord du pays, beaucoup de nuages, une ligne de nuages dans le centre, ici, et un tourbillon centre à peu près ici. L'air tournera comme ceci. Alors regardez, sur la moitié sud, l'air viendra plutôt de l'ouest. Un temps donc un peu plus doux, mais avec toujours beaucoup de nuages, des averses de pluie et tout de même quelques éclaircies dans la région méditerranéenne. Moitié nord, le contraire, de l'air venant de l'est, beaucoup plus froid, des gelées jusqu'à moins 2 et moins 3 dans le nord-est, des risques certains de verglas au nord de la Seine, un ciel très nuageux, beaucoup d'averses de neige, avec toutefois un peu de pluie mêlée, c'est le temps de demain. Samedi, eh bien ma foi, le tableau ne change guère, avec simplement un petit redoux sur la moitié nord, en particulier le soir sur la Bretagne, où une vague de pluie devra arriver par l'ouest. S'annonce pour dimanche un peu plus de pluie et un redoux au nord de la Seine, partout ailleurs un temps toujours assez frais, tout de même un petit peu moins désagréable que demain et après-demain. Bien, maintenant. Voilà. Le temps est en partie responsable d'un phénomène plutôt inhabituel en France en ce moment, en tout cas la baisse d'un certain nombre de produits, je veux parler des fruits et légumes, les consommateurs ne s'en plaignent pas, mais les producteurs si. L'hiver n'a pas été très rude et les marchandises se retrouvent donc en abondance. Les prix baissent, ou en tout cas ne montent pas, et les producteurs qui ont manifesté ce matin à Rungis, mais aussi dans d'autres villes de province, ici Marseille, voient leurs revenus diminuer. Nous avions, il y a quelques années, pour une salade, payé 9 litres de fuel. Maintenant, une salade paye à peine un demi-litre de fuel. Voyez-vous pourquoi nos exploitations, maintenant, sont au bord de la faillite? Les grossistes, eux, ont également vu leurs charges augmenter. Et cette année, ils se retrouvent avec plus de marchandises que d'habitude. Une marchandise périssable qu'ils ne peuvent pas stocker et qu'ils ont du mal à écouler. Pour eux, la crise a plusieurs causes. Nous avons en premier une très mauvaise information, et là je vous attaquerai directement, mais ça serait trop long d'épiloguer là-dessus. Nous avons un changement du mode de vie des ménagères. Nous avons également les conditions climatiques qui font que parfois il y a surproduction. Et puis nous avons aussi les contraintes administratives qui sont lourdes et qui empêchent des fois de commercialiser certains produits d'un niveau de prix bas. Enfin les détaillants, ils sont également moroses. Et si l'approvisionnement ne leur pose pas de problème, au contraire, ils ont de plus en plus de difficultés à vendre leurs marchandises. Nous avons l'impression que cette année, l'exportation n'a pas marché et qu'en plus de la marchandise destinée à l'exportation, nous nous trouvons sur le marché intérieur avec des quantités très importantes de légumes très bon marché. Et de plus, nous nous apercevons que malgré ces bas prix, eh bien, nos ménagères ont une tendance à diversifier leur consommation et que nous vendons de moins en moins de fruits et légumes. Voilà pour le constat. Essayons maintenant de voir ce qui se passe à la fin de la chaîne, c'est-à-dire chez le consommateur. Eh bien, Laurent Massardier s'est mis à la place, à sa place. Il a pris son petit cabas et s'en est allé faire son marché. Dîner prévu ce soir pour 4, un pot-au-feu. Un pot-au-feu pour 4 personnes. Oui, une livre de légumes de chaque. Alors, vous me donnez une livre de carottes, un petit peu moins de navets parce que j'aime pas trop quand même. Alors, on en met une livre et puis on en met 2-3 navets. Voilà. Mais pas trop grosses, hein, les carottes. D'accord. Les pommes de terre. Oui. Combien j'en prends pour 4 personnes? On peut en mettre une livre, 3-4, c'est tout. Une bonne livre. Oui. Elles sont à peu près à quel prix? C'est 2,40 €, c'est celle qu'il faut prendre d'ailleurs, la binge. D'accord, donc ce sont les moins chères, celles-là. Les moins chères. Alors, ici, ça vous fait 8 et 6, 14, 4, 5, 8, ah non, j'avais m'étais trompée, ça fait 11,40 €. Comme dessert. Oui, alors quelques oranges, mais vous me donnez une bonne livre. Hein. Une bonne livre. Quelles sont celles qui sont les plus juteuses? Ah, ça c'est très bon, c'est de la sanguine à 4,80 €. Ça vient d'où? Elles sont d'où? Espagne, automatiquement. Espagne. Ça vient, tout ça, ça vient d'Espagne. Bon, 4,80 €? Oui. Bon, mais c'est correct. Alors vous me donnez une livre, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
n'y a pas encore les fruits rouges hein, qui sont arrivés. Ah si, mais alors de l'étranger, il y a des fraises de Californie. Alors là, on n'est plus dans les coups des prix, là. Ah non. Et voilà, c'est cela qui est curieux. Malgré la baisse de certains produits, ou en tout cas la stabilité, les consommateurs ne se ruent pas sur les fruits et légumes, ils boudent les produits frais. Cela peut s'expliquer par un changement d'habitude constaté depuis plusieurs mois par les spécialistes. Il est sûr que les habitudes alimentaires sont en train d'évoluer, mais qu'il y a aussi les habitudes globales de vie des Français qui changent. Nous mangeons bien plus à la cantine ou au restaurant d'entreprise qu'il y a quelques années. Et hommes et femmes, nous travaillons bien plus qu'il y a quelques années aussi. Et le soir, bien souvent, il faut retrouver des plats qui puissent être faits rapidement, qui puissent quand même aussi apporter le petit côté personnalisé de chaque ménagère. Et c'est pour cela que l'on retrouve tout à la fois un développement des produits présentés en surgelé, qu'il s'agisse, prenons un exemple, des épinards. Plus personne aujourd'hui ne va trier des kilos et des kilos d'épinards, alors qu'avec 350 grammes ou 500 grammes de surgelé, on a un plat conséquent. Et c'est pour cela aussi que l'on voit le développement des fonds de tarte, pâtes brisées ou pâtes sablées, qui permettent des plats nouveaux préparés par le consommateur directement chez lui. Voilà, si je vous parlais tout à l'heure à l'aide d'une rose, c'est que Jean-Claude Alanic termine demain une enquête dans C'est la vie à 18h30, consacrée précisément au prix des fleurs. Il avait découvert que cette rose, qui s'achetait à 2 francs sur la Côte d'Azur, se revendait à 12 francs à Paris. Il y avait là un problème. Je vous incite donc à regarder le dernier C'est la vie consacré au sujet demain à 18h30. Vie pratique toujours, trop de petits chèques, disent les banques, et voilà qu'on reparle à nouveau d'une taxation de ces petits chèques. Rien n'est encore décidé, mais plusieurs grandes banques privées s'efforcent actuellement de dissuader leurs clients de payer leurs petits achats avec un chèque. Signer un chèque est devenu un acte d'une telle banalité que l'on oublie l'énorme machine administrative qui, derrière, doit traiter ce petit bout de papier. Ici, par exemple, au CIC, il passe tous les jours sur cette table entre 300 et 800 000 chèques. Une partie, bien sûr, du total des mouvements bancaires, puisque chaque jour, 10 millions de chèques changent de main. 10 millions de chèques à vérifier, classer, comptabiliser et que doit digérer tout un système informatique. Mais arrêtons au hasard cette machine et regardons le montant de ces chèques. 82 francs, 80 francs, 74 francs, 64 francs, 63 francs. Le hasard est bien fait, on le constate au premier coup d'œil. De plus en plus de clients signent des chèques pour payer leurs cigarettes ou presque. Actuellement, un chèque sur deux est inférieur à 200 francs. 1 sur 3 inférieur à 100 francs, 1 sur 10 inférieur à 50 francs. Résultat, les banquiers grognent. Prêter un chèque, disent-ils, coûte de 3 à 5 francs. Il faut que nos clients comprennent qu'ils doivent faire un effort, sinon un jour ou l'autre, les petits chèques seront payants. Qu'est-ce qui se passe quand les services sont gratuits pour les clients particuliers, mais trop coûteux pour la banque? Eh bien, ce sont les emprunteurs qui payent la différence. Et Dieu sait que les taux du crédit à l'heure actuelle ne sont pas bon marché. Est-ce que c'est pas un peu surprenant tout de même de réfléchir, pour le moment vous réfléchissez à cette tarification des petits chèques, parce que quand on dépose l'argent à votre banque, cet argent-là vous le faites travailler, ça vous rapporte de l'argent, et en plus vous pensez faire payer les déposants. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n'est pas nous, les banques, qui fixons le taux de rémunération des dépôts. C'est le ministère de l'économie qui le fixe. Alors si le ministère de l'économie décide qu'il faut rémunérer les dépôts des clients, eh bien on verra. Mais ce n'est pas nous qui pouvons prendre une telle décision. Les organisations de consommateurs protestent contre ces projets, mais elles semblent peu suivies par leurs adhérents. La campagne de boycott contre le Crédit du Nord, qui a décidé l'an dernier une certaine forme de taxation des petits chèques, ne s'est traduite que par la fermeture d'une dizaine de comptes. Voilà, comme chaque soir maintenant, le point sur la marée noire. On a travaillé d'arrache-pied aujourd'hui entre l'île Grande et Perros-Guirec. 1500 militaires et 300 chauffeurs d'engins divers profitent du fait que les grandes marées n'ont rien aggravé. Les vents d'Est qui ont soufflé aujourd'hui par rafale ont sensiblement amélioré la situation dans la baie de Saint-Brieuc. Même chose dans le Finistère, à l'exception de quelques plaques de goudron à Carantec, Loquirec et Primel. Au large, le sous-marin chargé de contrôler l'épave du Tagno n'a pas pu travailler. Les grèves dans l'enseignement, à nouveau des manifestations aujourd'hui à Paris. Les chiffres varient de 4 000 à 35 000 selon les sources. Vous choisirez celui qui vous intéresse.
Il s'agissait de réclamer pour l'enseignement secondaire, cette fois, un service public d'éducation de qualité. Ces manifestations ont été surtout accompagnées de grèves. 51% de participation chez les enseignants, dit le ministère. Le SNES, le syndicat national de l'enseignement secondaire, parle, lui, de 80 à 100% de grévistes. Les milieux modérés de l'enseignement, par exemple le SNALC, font aussi part de leur mécontentement. Dominique Lory fait maintenant pour nous le point de cette semaine de grève et il s'est installé dans un endroit où il était facile de trouver de la place cet après-midi, une classe. Le point donc. Après ces journées de manifestations et de grève, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, pour être franc, les choses n'avancent guère. Les deux parties campent sur leur position tout en avançant des chiffres, mais des chiffres hélas incontrôlables. Le ministre de l'Éducation déclare qu'il n'y aura pas de suppression de postes. Les syndicats répondent, c'est faux, c'est une contre-vérité. Mais comme ces suppressions n'auront lieu qu'à la prochaine rentrée, si suppression il y a, allez savoir qui dit la vérité. Ce qui est certain en revanche, c'est que la grogne des enseignants est de plus en plus forte, même, disons, si elle est teintée de considérations politiques. Grogne sur les mauvaises conditions de travail, sur les salaires, souvent modestes, vous le savez, à propos de l'histoire qu'on a tendance à négliger, de la dictée qu'on a supprimée et des mathématiques qui écrasent l'ensemble du programme. À la vérité, le conflit sur les suppressions de postes n'a fait, disons, que déborder une coupe déjà bien pleine et c'est dangereux, car à moyen terme, c'est le blocage du système éducatif. Dangereux aussi, car si l'agitation continue, les rapports parents-enseignants, qui sont actuellement assez bons, risquent de se détériorer. Et dangereux, bien sûr, car au bout du compte, dans ce type de conflit, ce sont toujours les mêmes, les écoliers qui finissent par trinquer. Oui, quand l'élève Lory parle de suppression de postes, il parle bien entendu de suppression de postes d'instituteurs. Et bien précisément, les instituteurs du SNI ont arrêté aujourd'hui le principe d'une nouvelle grève nationale au début du troisième trimestre, si rien ne change d'ici là. Et puis demain, c'est l'enseignement libre qui va bouger. Politique, toujours l'affaire Marchais avec la fin du comité central du Parti communiste à Ivry, près de Paris. Georges Marchais a développé sa contre-attaque, fort du soutien de tout son comité central. « Je n'ai pas été un agent de Moscou », a-t-il répondu à ceux qui s'intéressaient de trop près à son emploi du temps de 1955. Et pour le reste, il a dénoncé ce qu'il appelle le complot anticommuniste de la bande des Trois. Je vous traduirai après. « Une énorme opération a été fabriquée et lancée avec des moyens considérables. Il s'agit, je le déclare en pesant bien le mot, d'un complot contre le Parti communiste français et contre son secrétaire général. Tout homme politique raisonnable, n'est-ce pas, qui réfléchit sérieusement sur la base des textes et des documents, ne peut manquer d'arriver à cette conclusion de l'existence réelle d'une bande des Trois et de conjurer, comme nous le disons, de l'anticommunisme. C'est évident. Georges Marchais qui a donné à cette conférence un aspect assez spectaculaire, Noël Coppin. Eh bien oui, Georges Marchais a parlé d'abord entouré des membres du secrétariat du Parti communiste et puis au début de sa conférence, il a demandé aux journalistes s'ils accepteraient que l'ensemble des membres du comité central viennent assister à cette conférence de presse pour qu'on puisse éventuellement leur poser des questions puisqu'un certain nombre d'entre eux avaient été mis en cause. Mais je crois que c'était surtout pour montrer l'unanimité du comité central autour du secrétaire général du Parti. Alors la bande des Trois, nous avions promis de traduire, c'est assez l'intuition en fait. Eh bien, c'est Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et François Mitterrand, éventuellement Michel Rocard si c'était lui qui était candidat, car Georges Marchais l'a souligné, il s'agit d'un complot. Le complot, c'est un complot politicien en vue de l'élection présidentielle. Attaqué dans son passé, dans sa vie personnelle, Georges Marchais a répondu en citant des documents, en citant des témoignages, mais il a surtout contre-attaqué. Sa contre-attaque est avant tout une contre-attaque politique qui, comme le complot qu'il dénonce, se situe elle aussi dans la perspective des élections présidentielles et c'est une contre-attaque tous azimuts. Pour Georges Marchais, il y a le Parti communiste face à tous les autres qui sont ligués contre le Parti communiste. Et pour Georges Marchais, il y a le Parti communiste avec son honnêteté et en face
la boue des manœuvres politiciennes. Alors vous parlez présidentiel, tout le monde a envie de savoir ce que ferait le PC au second tour s'il était distancé par le PS. Eh bien, c'est à vrai dire une question que l'on se pose de plus en plus, car s'il est vrai que pour Georges Marchais, désormais la frontière politique principale n'est plus entre la droite et la gauche, mais entre le Parti communiste et la droite avec laquelle complote le Parti socialiste, on peut se demander si un jour il n'en arrivera pas à la formule Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Après tout, aujourd'hui, Georges Marchais les place tous les trois dans la même bande, c'est-à-dire aussi dans le même sac. Alors l'année prochaine, arrivera-t-il à les placer tous les trois sous le même bonnet? Oui, François Mitterrand, dont la rose est le symbole, je vous donne cette rose, Noël Micot. Simone Veil a bonne, elle doit être reçue demain par Helmut Schmidt, elle se veut constructive et a dénoncé la résignation à un éventuel échec du prochain Conseil européen de Bruxelles. Nous ne pouvons nous en satisfaire, a-t-elle dit. Pour la 38e fois depuis la fin de la guerre, nouvelle crise en Italie. Comme prévu, le gouvernement de Francesco Cossiga a démissionné hier après le passage de républicains et de socialistes dans l'opposition. Principaux motifs de cet échec, l'incapacité du gouvernement à résoudre le problème du terrorisme, mais aussi les difficultés économiques que connaît le pays. L'Italie compte 1 500 000 chômeurs, plus exposés encore qu'en France, puisque certains ne touchent même pas d'indemnité. Regardez l'exemple de Naples, d'où revient Victor Vraiment. À Naples, même les chômeurs ont droit à de somptueuses funérailles. Les voisins et les amis se cotisent, il faut réunir 1 million de lire, 5 000 francs, pour avoir droit à 8 chevaux. Au conseil municipal de Naples, et quel que soit l'ordre du jour, on parlera forcément du chômage, qui concerne entre 10 et 15% de la population active. Alors, monsieur le maire, vous avez dit un jour dans une émission des dossiers de l'écran qu'il existait en Italie des chômeurs qui ne recevaient pas d'indemnité. Comment est-ce possible? C'est bien possible puisque c'est comme ça. Il y a pour les, ceux qui sont dans un travail, qui viennent, qui sont licenciés, ils ont pendant 3 mois, et puis encore 3 mois, maximum 6-9 mois, ils ont une petite allocation. Mais tous les autres n'ont pas d'allocation. Les jeunes, par exemple, qui n'ont pas de travail, et qui n'ont pas 30 ans, et qui n'ont jamais travaillé, et ils sont nombreux, nous avons ici 40 000 inscrits dans les listes, eh bien, ceux-là, ils n'ont rien. Quand ils ne sont pas pris au travail, soit même d'une façon précaire, ils n'ont rien. Il y a ceux qui sont victimes de licenciements économiques. Crise dans un secteur, par exemple, et ceux-là reçoivent 80% de leur salaire. Mais les autres, et ce sont les plus nombreux, touchent 800 lires, c'est-à-dire 4 francs par jour, plus 2 francs par enfant et 55 centimes par parent à charge. Ces indemnités sont perçues pendant 6 mois au maximum. Pour vivre, on travaille 2 jours par-ci, 3 jours par-là. Cet homme a 39 ans. Il est au chômage depuis 8 ans. Il a 9 enfants. Non, il ne touche plus d'indemnité de chômage. Il travaille de temps en temps comme maçon pendant quelques jours et puis il attend une nouvelle occasion de travailler. Inutile de lui demander comment il fait vivre sa famille, il n'en sait rien lui-même. J'ai remarqué une chose en venant ici, c'est qu'autour du palais, il y a beaucoup de policiers et de carabiniers. Alors, vous êtes protégés contre qui? Non, nous ne sommes pas protégés. Nous filtrons les gens qui viennent ici. Parce que nous voulons que ceux qui viennent montrent au moins qui ils sont. Parce qu'avant, ils y entraient comme dans un moulin. Ce n'est pas que vous ayez peur que ce palais soit envahi par les chômeurs? Non, il a été souvent envahi par les chômeurs, mais ce n'est pas que nous avons peur. Nous avons... dans notre vie, nous en avons vu d'autres. Les chômeurs manifestent pratiquement chaque jour à Naples, au cri de « du travail, du travail ». On est chômeur pendant des années et sans indemnité. Il suffit d'aller en prison. Au moins, on travaille en prison, alors que dehors... Moi, je fais le mannequin quand on m'appelle. Il y a longtemps que les manifestations de chômeurs n'intéressent plus personne à Naples. On a envie de dire, avec résignation, futurs chômeurs, évitez au moins les familles nombreuses.
Yougoslavie, alors que les autorités règlent toujours les cérémonies qui suivront son décès, voilà que le maréchal Tito est sorti quelques instants du coma, reconnaissant même aujourd'hui ses visiteurs. Proche-Orient, un an après la signature du traité de paix israélo-égyptien, reste toujours l'abcès palestinien. Les négociations entre Israël, l'Égypte et les États-Unis couraient à l'échec. Aussi, ce sont des sommets séparés, Carter-Begin et Carter-Sadat, qui se tiendront dans la seconde quinzaine d'avril à Washington. Et je pense que nous aurons un témoignage de poids avec la présence lundi soir dans Carte sur table à 20h30 de Cyrus Vance, le secrétaire d'État américain. Il sera donc l'invité de Jean-Pierre Gabache et d'Alain Duhamel. La Chine bouge à nouveau, aucune manifestation spectaculaire, mais depuis un certain temps, des signes qui montrent que le pouvoir est en train d'évoluer et peut-être même de changer de main. 6 mois après notre grande opération à Pékin, Patrick Clément analyse maintenant les signes qui pourraient prouver ce changement. La 5e symphonie interprétée par un orchestre chinois, c'était le 8 octobre 1979 pour un casting exceptionnel en direct de Pékin. Le fait qu'Antenne 2 ait pu réaliser une journée en direct de Chine signifiait déjà la mort du changement. C'était là plus qu'un signe, une preuve. Le gouvernement chinois, en acceptant de montrer une partie de son pays en direct à des étrangers, démontrait que le réalisme primait et que les réflexes précédents étaient, entre guillemets, dépassés. Quelques jours auparavant, en plein centre de Pékin, on chantait l'international. Une manifestation tolérée, mais oui, par le gouvernement. Peut-être pas par tout le gouvernement, mais sûrement par cette tendance que Deng Xiaoping représente. Vive le peuple, crie l'un des organisateurs de cette manifestation. La volonté pour cette tendance de se montrer quelque peu libérale, quelque peu mais pas plus. Mais alors que tout est fait ici pour que disparaissent les théories, les réflexes, les images propres à Mao Tse-Tung et à ses fidèles, on conduit encore chaque semaine tout un peuple résigné mais sceptique devant la dépouille de celui qui n'est vraiment maintenant qu'un souvenir au contour que l'on veut de plus en plus indécis. Deng Xiaoping y est, c'est sûr, pour quelque chose. Il ne veut pas affronter directement l'ex-image fédératrice. En résumant ces phénomènes qui apparaissent parfois contradictoires, on arrive à la conclusion que Deng Xiaoping, ici bien alerte, a réussi maintenant à infiltrer doucement l'appareil du parti. Tous ceux ou presque qui s'étaient compromis pendant la révolution culturelle ont disparu. Tous, sauf Roi Kofin. Alors de nouveau plane en Chine l'idée d'une nouvelle épuration. Les Chinois nous ont appris depuis longtemps à faire disparaître, comme par miracle, toute une partie de leur histoire. Bientôt, un pan d'histoire, même très proche, pourrait être gommé. Une certitude, cela ne concernera pas Deng Xiaoping. Tchécoslovaquie, encore la répression. Hier soir, le porte-parole de la Charte des 77 et 7 autres personnes ont été arrêtés alors qu'ils participaient à une conférence au domicile de l'un des signataires de la Charte. Cambodge, les riels vont réapparaître. Cette monnaie remplacera le riz que certains capitalisaient et limitera donc l'économie de troc. C'est la preuve que la vie commence à renaître dans ce pays. Demain, dans ce journal, nous vous présenterons un remarquable document d'un quart d'heure signé Édouard Laure et Alain Saint. Il y a des enfants aujourd'hui au Cambodge, il y a beaucoup d'enfants, y compris des enfants de moins de 5 ans. Il n'y a plus de famine aujourd'hui au Cambodge, du moins pour l'instant, la famine, celle dont on meurt. Il y a des Vietnamiens aujourd'hui au Cambodge, beaucoup de Vietnamiens. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Nous venons de passer 2 semaines, 15 jours, avec Alain Saint et Jean-Claude Vargas, au cœur même du Cambodge, sans parti pris. En essayant d'oublier tout ce qu'on nous avait dit, ce qui est bien ou ce qui est mal, parce qu'on est de droite ou parce qu'on est de gauche. Nous avons demandé à sillonner toutes les routes du Cambodge, sans restriction. En terminant par cette merveilleuse région des temples d'Angkor, fermée pendant plus de 4 ans au monde, comme l'aura été le Cambodge lui-même. Avec tous les éléments que nous allons ramener, nous allons essayer, je le répète, sans parti pris, de reconstituer une journée
passer au Cambodge. Demain soir donc à 20h. Retour en France pour cette dernière information, un petit peu alarmante. Jean-Paul Sartre, 74 ans, se trouve depuis quelques heures au service de réanimation de l'hôpital Brousset à Paris à la suite d'un début d'œdème pulmonaire. Mais à l'instant, on me fait savoir que dans son entourage, il n'y a pas d'inquiétude. La dissolution du conseil municipal de Vestric et Candiac dans le Gard a été prononcée hier par le conseil des ministres. Le maire de la commune réclamait la fermeture d'un établissement, vous vous en souvenez, pour handicapés belges. Mise en liberté provisoire de Clet Ansker, accepté par la cour d'appel de Rennes. Il avait été condamné par le tribunal de Quimper pour avoir jeté des pierres sur les forces de l'ordre lors de manifestations antinucléaires à Plogoff. Et puis hier, nous vous annoncions l'enlèvement de la femme d'un industriel belge à proximité de Cannes-sur-Mer. Eh bien, Madame Seusdorp a été libérée quelques heures seulement après son enlèvement sans que les ravisseurs aient obtenu de rançon. Puis un autre enlèvement hier aussi d'un petit garçon de 8 ans, cette fois à Dijon. Son père, qui est ouvrier, a trouvé sous la porte de l'appartement familial un mot griffonné en arabe dans lequel les ravisseurs demandent une rançon de 3 millions de francs. Le petit Mohamed qui a disparu est l'aîné de 4 enfants. Football, quart de finale des Coupes d'Europe. Hier soir, seul Nantes, vous le savez, s'est qualifié face à Dynamo de Moscou puisque Saint-Etienne et les Strasbourgeois ont été éliminés sans grand panache. Alors Thierry Roland, on a envie de savoir quelles sont les chances des Nantais pour la suite des opérations. Je crois qu'il faut d'abord tirer un grand coup de chapeau au Football Club de Nantes, vainqueur de la Coupe de France, qui est donc le dernier club qualifié et qui se trouve qualifié avec du beau monde, puisque Arsenal, équipe londonienne, Valence, club espagnol, et la Juventus de Turin seront les adversaires de Nantes au niveau des demi-finales. Nantes connaîtra son adversaire samedi soir, à l'issue d'un tirage au sort qui aura lieu en Suisse, comme d'habitude. Et je crois que quel que soit l'adversaire de Nantes, ce sera un dur morceau, mais que les Nantais sont capables d'avaler, car déjà d'être dans les quatre derniers, c'est un bel exploit. Alors on va revoir ce qu'a été l'exploit précisément d'hier. Ils ont été battus, mais quel beau but celui d'Henri Michel. Oui, je crois que Henri Michel a prouvé hier aux téléspectateurs et aux spectateurs de Sopin qu'il était un des meilleurs footballeurs d'Europe par ce premier tir que Pilgouille détourne en corner et surtout par ce but de la 43e minute signé de ce grand capitaine. L'un des plus brillants et des plus constants parmi les footballeurs français, 32 ans, 57 sélections en équipe de France et pourtant Henri n'a jamais été aussi bon. Un but merveilleux qui a remis le Football Club de Nantes en selle. Il le fallait car la mi-temps approchait. Les autres groupes maintenant ? Eh bien, les autres coupes, je crois que l'on peut dire que l'on retrouve vraiment tout le gratin du football européen, sauf peut-être Liverpool qui domine le championnat anglais et l'Inter de Milan qui est en tête du championnat d'Italie. Puisque dans la Coupe des clubs champions, on retrouvera Nottingham Forest, le tenant, Hambourg, qui est le champion d'Allemagne, le Real Madrid, qui a le plus remporté la Coupe d'Europe, et l'Ajax d'Amsterdam, qui a aussi gagné 3 fois cette compétition. Et dans la Coupe de l'Union Européenne, Trost allemand, puisque c'est 4 clubs ouest-allemands, le Bayern, Francfort, Mönchengladbach, qui a donc éliminé Saint-Etienne, et Stuttgart, qui se retrouveront au niveau des demi-finales. Ça ne s'était jamais vu, et je crois que cela prouve la puissance du football ouest-allemand. Bien, mon cher Thierry, faites-moi plaisir. Acceptez cette rose, personne n'en veut depuis le début de ces émissions. Bon, vous lui donnez aux Nantes, si vous voulez. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Évry. Pour gagner, il fallait jouer le 7, le 13 et le 5. Cette combinaison rapporte 9 846 francs pour 5 francs dans l'ordre et 1211 francs dans un ordre différent. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Paul Amar, qui vous communiquera les dernières nouvelles aux alentours de 23h. Et puis demain, c'est le communiste Charles Kitterman qui sera le témoin de notre édition de 12h45. Et puis, avant de finir, je vous rappelle les prévisions de Laurent Brumette pour demain. Prévision assez pessimiste, le temps sera médiocre, il fera froid, il pleuvra, il neigera. Voilà, ce journal est terminé. Bonsoir à tous et je l'espère demain à 20h. Je vous rappelle que nous avons un rendez-vous avec un très très bon document d'1 quart d'heure sur le Cambodge aujourd'hui. Bonsoir.